Vendredi après-midi, une femme de la Nacan, dans le Limbourg, âgée de 58 ans, a été poignardée à l'abdomen par son ex-partenaire de 57 ans, qui a ensuite sauté dans le canal Huiwilensvaart à Borssem-Maasmechelen. Les plongeurs des pompiers ont sorti l'homme de l'eau avant de tenter de le réanimer, mais en vain. Le parquet du Limbourg a confirmé l'information vendredi. La police locale de la Nacan-Maasmechelen a reçu l'appel pour l'agression à l'arme blanche vers 14h. Ils ont trouvé la femme poignardée. Son état de santé n'est pas encore connu. Par la suite, un témoin a rapporté avoir vu une personne sauter dans le canal à Borssem. L'équipe de plongeurs des pompiers de la zone d'assistance du Limbourg oriental s'est rendue sur les lieux pour sortir l'homme de l'eau. Le laboratoire judiciaire et une équipe médico-légale ont été appelés pour mener une enquête plus approfondie sur les deux sites. L'enquête révélera s'il existe effectivement un lien entre l'agression à l'arme blanche et la noyade.